jogging to the theme. There's too much confusion. I can't get no relief. The businessman can drink my wine, an apartment in my hearse. None of them along the line. Nobody of any worse. Yes. Nobody of any worse. No reason to get excited. Salut les amis, bienvenue dans cet épisode de Tone Factory où aujourd'hui on va parler de ma config concert, notamment acoustique. Comme vous le voyez, je suis vraiment en config concert aujourd'hui avec ce Ashdown Woodsman dont on va parler juste après, un petit ampli acoustique adorable qui m'accompagne aujourd'hui dans cet épisode dans lequel j'ai branché ma voix et ma guitare. On va parler aussi de rythmique, puisque avec la Stompbox, je vais vous montrer 2-3 petites techniques rythmiques pour bosser un petit peu à la maison. Et puis, vous parler un petit peu de mon rapport entre la batterie et la guitare, puisque ici, tout est rassemblé en un. Donc, c'est assez cool de vous partager ça. Je ne l'avais jamais fait dans Tone Factory avant. Je vais vous parler aussi de quelques concerts en fin de vidéo. Toutes les dates sont sur mon site nicoshona.com, bien sûr, mais je vous parlerai de quelques dates en détail à la fin de cette vidéo. Alors, ce petit Ashdown Woodsman. Déjà, on va parler du look. C'est ce qui m'a attiré en premier, ce petit look western, bien dans l'esprit du tuto d'aujourd'hui d'ailleurs. Un ampli adorable, petit format, il existe aussi en plus gros et plus grosse puissance bien sûr, mais là pour bosser à la maison c'est franchement idéal, ça prend pas de place. Le son de la guitare est super correct, il y a une petite reverb intégrée et on peut brancher le micro-champ. Ce qui est très cool si vous bossez un petit peu guitare-voix, voilà, ça permet de s'entendre un peu mieux que sans le micro. Bosser avec le micro c'est pas mal si vous êtes chanteur parce que ça permet d'entendre tout de suite les défauts. Voilà, surtout si vous mettez pas trop de reverb avec une voix un petit peu brute, c'est le cas sur cet ampli, puisque la voix n'a pas d'équalisation, il y a juste un volume, une reverb qu'on peut assigner voilà, à ce canal voix donc, et ensuite c'est la guitare qui bénéficie donc de l'équalisation sur cet ampli, basse, médium, aigu, très très simple, un gain sur chaque canal et un volume général, voilà, c'est super simple, il y a une entrée auxiliaire, une sortie casque, c'est un ampli assez basique mais très efficace, c'est ce qu'on lui demande. Alors c'est pas l'ampli que j'utilise en live, hein. J'ai un ampli plus gros, j'ai besoin de plus de puissance, mais encore une fois, si vous bossez à la maison, c'est franchement idéal. Alors au niveau du setup aujourd'hui, j'ai aussi une Stompbox au pied, une Stompbox qui a quelques années, comme vous pouvez le voir sur les images de Dimitri, c'est ma Stompbox préférée, je l'ai fabriquée il y a maintenant très longtemps, une quinzaine d'années je pense, peut-être un peu plus, à partir d'une boîte de cigares, un petit micro autocollant, voilà, que j'ai transformé avec un jack femelle au bout pour pouvoir le brancher n'importe où, notamment directement dans mon ampli acoustique quand c'est possible, sinon dans la sono aussi ça marche très bien. Là aujourd'hui il est branché directement dans l'enregistreur numérique qu'on utilise d'habitude dans Tone Factory pour que vous entendiez bien le pied séparément du reste. Vous allez le voir par la suite de la vidéo, ça va être assez important, on va faire des petits exercices rythmiques, pas trop durs, et un morceau assez simple pour bosser ça, une base assez simple, All Along the Watchtower, en La mineur, contrairement à Hendrix qui la joue en Si mineur. On va revenir sur la version originale, hein, la version de Bob Dylan, si vous ne le saviez pas, c'est un morceau de Bob Dylan à la base, en La mineur, suivi d'un Sol, suivi d'un Fa, suivi d'un Sol, et retour sur le La. Notre petite Stompbox au pied. Voilà, alors si vous n'avez pas de Stompbox à la maison, que vous n'êtes pas forcément équipé, c'est pas grave, vous pouvez bosser cet exercice le pied sur le plancher, j'ai envie de vous dire, avec voilà, un pied qui s'entend quand même. Il faut vraiment mettre une pulsation, c'est le principe d'aujourd'hui. On va travailler autour de cette pulsation continue, cette continuité rythmique, donc il faut insister vraiment sur le pied, et d'ailleurs c'est valable pour tous les exercices, tous les morceaux que vous jouez à la guitare, pour moi c'est la base, voilà, le pied qui tape ce rythme, qui tape ce tempo, qui tape cette pulsation, sur lequel on va s'appuyer, vous allez le voir, notamment sur ces accords. Il y a deux appuis. Deux appuis sur les temps et deux appuis en contre-temps. Thank you.
Alors, j'ai volontairement descendu le tempo. Ça, c'est une autre base, un autre principe que j'applique depuis tout gamin que je bosse la musique, parce qu'on me l'a fait appliquer, parce que j'ai eu des bons profs, notamment de batterie. Bosser lentement, ça permet de tout décortiquer et d'y voir clair. Voilà, c'est vraiment, ça éclaircit tout ça. On voit toutes les parties, toutes les notes, toutes les croches, toutes les noires, très distinctement. Et donc, on va pouvoir repérer déjà le premier appui. Ça, c'est sur l'étang, je vous en parlais. Et notre deuxième appui sur un contretemps. Alors, pour faire ça, les fameuses ghost notes, vous m'entendez souvent jouer des ghost notes si vous regardez comment je joue de la guitare électrique. Pour moi, les ghost notes, elles viennent aussi de la batterie. C'est toutes ces petites notes que je vais mettre sur la caisse claire, sur le charlet, entre les notes principales que vous entendez principalement. C'est ce qu'on appelle aussi parfois des appoggiatures, des choses qui vont venir remplir un petit peu l'espace. Ici, clairement, au-delà de remplir l'espace avec ce son qui quelque part va être un petit peu une caisse claire ou voilà un élément de percussion, en fait c'est aussi un appui rythmique. Voilà, là je viens bloquer ma guitare avec la paume de ma main. Et donc sur le blocage j'ai mon pied, le temps donc qui tombe, ça doit être précis, ça doit pas faire ou alors, ça c'est très important, il faut être très rigoureux. Alors c'est un exercice, hein, je vous rassure, je ne joue pas exactement comme ça tout le temps, je me laisse des libertés, c'est très important dans la musique pour faire vivre le morceau. Là on bosse vraiment un truc rythmique, d'ailleurs ce tutoriel je n'ai pas expliqué mais s'adresse à des débutants, débutants plus qui ont des petites difficultés rythmiques ou parfois qui ont juste du mal à se repérer dans la musique. Ça va amener plein de très bons réflexes de travailler au pied. Je reprends juste cette partie. Attention à ne pas être trop agressif sur le retour du médiator, ça c'est hyper important aussi, le toucher de guitare, faut pas que ce soit vilain, même si c'est un exercice, on fait quand même de la musique. Faut pas y aller comme un bourrin. Voilà, faut juste tranquillement. Voilà, juste après ça, je viens mettre un autre contretemps, qui est plus difficile celui-là, c'est là où vous allez peut-être avoir une première difficulté dans le tutoriel, c'est-à-dire que je viens plus mettre ma ghost note avant, pour pas trop remplir l'espace de ces ghost notes qui peuvent être un petit peu agressives et un petit peu redondantes à la longue. Il y a juste une ghost note, un plaquage comme ça, un palm mute avant le premier contretemps. Et ensuite je laisse juste retomber ma main. Ça c'est très important, en fait on a un balancier continu, d'où encore une fois ce terme de continuité rythmique. Ma main droite, typiquement sur ce morceau All Along the Watchtower, va faire ça tout le temps. Tchac, 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 décroche, 1 et 2 et 3 et 4 et. A savoir que mon temps va être donc sur les allées de mon médiator, et puis les contretemps, les et que je comptais là, vont être donc sur le retour, voilà, sur juste voilà, ce balancier, 1 et, c'est très important. Et donc ce dernier contretemps, il est en l'air tout seul, on n'a pas d'appui avant. Le seul appui qu'on a, il va être en bas, au pied. Ça donc c'est pour notre exercice de base, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vais m'accorder quelques libertés autour de ça, notamment au niveau de la rythmique, c'est pour ça que de temps en temps, vous m'entendez changer un petit peu le rythme. Alors ce que je vais faire différentes tournes rythmiques,
un petit peu ad lib, comme on dit, un petit peu, voilà, comme ça vient là maintenant tout de suite, en improvisation, c'est ce que je fais tout le temps en fait. Hein. J'ai vraiment une base, et après, selon l'humeur du jour, je vais jouer ce morceau d'une manière ou d'une autre, parfois même en accord barré, je vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que c'est un autre sujet, mais voilà, rien que sur les accords ouverts ici, le La mineur, le Sol et le Fa, vous allez voir qu'on peut faire plein de trucs très intéressants. Comme vous le voyez, je change pas mal les accords de place, hein, entre guillemets. Mes appuis rythmiques sont les mêmes très souvent, mais voilà, je vais un petit peu broder rythmiquement. Et aussi, au niveau des accords, c'est-à-dire harmoniquement, je vais changer un petit peu ma façon de jouer le Fa, par exemple, de temps en temps. Cette corde demi-aiguë à vide, là. Ou même... la corde demi-aiguë et la corde de Si à vide. Ça, ça marche très bien. En barré... standard et revenir ensuite après le barré qui est un petit peu fermé comme ça, un petit peu tight, sur quelque chose de plus ouvert en laissant encore une fois la corde de mi. Voilà, bosser d'elle-même. Alors c'est des accords que je fais parce que je les joue un petit peu à ma manière, donc ils sont faisables également en barré, hein, mais un petit peu moins confortable certes. Moi je les fais sonner comme ça aussi parce que j'ai appris à jouer avec le pouce en haut sur la corde de mi. Voilà, naturellement, je vais jouer comme ça. Et puis, mon annulaire qui va venir jouer ma corde de La et ma corde de Ré. Mon majeur, ma corde de Sol. Et ensuite, en dessous, je suis libre. C'est pas forcément quelque chose à reproduire, c'est une manière voilà, de jouer très très personnelle, mais c'est comme ça que j'entends la chanson au final avec ce style d'accord. Donc voilà, je vous partage juste un petit peu, un petit exemple comme ça, mais encore une fois, il faut faire les choses à votre sauce, c'est très important. Au niveau du pied, sur la grosse caisse, j'allais dire, mais en fait pour moi, je l'assimile à la grosse caisse puisque c'est mon pied droit de batteur qui parle. La Stompbox ici va être très droite pour cet exercice, mais évidemment, de temps en temps, je vais m'amuser avec des choses... Voilà, c'est... jamais, il faut jamais trop en mettre comme ça, là c'est vraiment un exemple, c'est de temps en temps dans le morceau pour éviter encore une fois que cette continuité rythmique soit trop redondante, de temps en temps je vais rajouter deux croches ou voilà une croche en l'air histoire de couper un tout petit peu cette grosse caisse qui tourne en permanence. De temps en temps je joue 2-3 heures comme ça tout seul en acoustique solo et c'est vrai que ça peut prendre la tête même pour les gens qui écoutent, donc j'essaye de varier un petit peu. À la maison pour l'instant, pensez vraiment exercice,
tout en faisant de la musique, mais voilà, et essayez de pas vous crisper sur le pied droit, parce que les premiers réflexes que vous allez avoir, c'est d'appuyer vraiment le pied droit pour vous concentrer là-dessus. Partout, que ce soit sur la guitare, la main droite, la main gauche, le pied droit, il faut être cool, il faut être détendu, il faut vraiment laisser les choses aller d'elles-mêmes, c'est-à-dire par exemple avec la main droite, les allers-retours, il faut vraiment pas les forcer. Avec le pied, c'est pareil, juste un petit coup comme ça de grosse caisse, c'est vraiment la pointe du pied qui va tomber en avant, il faut presque laisser le poids du pied travailler de lui-même. Tant que le son est bien rond, que la pulsation est marquée, moi ça me suffit, et puis surtout, ça me crispe pas. Je reste détendu, donc je peux tenir la distance sans, voilà, sans forcer, sans avoir du mal à jouer, sans me déconcentrer surtout sur le principal, la continuité rythmique. Voilà les amis, j'espère que ce tuto acoustique et rythmique vous a plu. Alors, j'ai chanté au début de la vidéo, pour les chanteurs qui regardent cette vidéo, vous pouvez essayer voilà, d'appliquer tout ça en chantant. Pour les autres, n'essayez pas de tout faire en même temps, mais si vous vous sentez un petit peu l'âme d'un chanteur, eh ben, prenez le micro et essayez de vous amuser, il peut y avoir des très bonnes sensations qui vont venir toutes seules. En tout cas, j'espère que ça va vous aider voilà, à améliorer et à kiffer un petit peu plus votre musique. Et puis j'espère vous retrouver en live, en concert très bientôt. Je pense au 19 avril au Billy Bob's Country Western Saloon à Marne-la-Vallée, le 27 avril également à Ensisheim, au Woodstock Guitars, une super salle dans laquelle on avait déjà joué, on espère vous y voir dans l'Est de la France, et puis plein d'autres dates, on vous a mis tout ça sur le côté de la vidéo, et puis également dans mon site nicochona.com. A très bientôt les amis d'Anton Factory ou en live. Ciao.